Il y a beaucoup de temps qui a passé depuis la dernière fois, le dernier épisode, hein. Du coup, il y a eu énormément de changements dans le jardin. Les bébés ne sont plus des bébés, ils sont devenus de jeunes adultes. Bon, il y a la plupart qui dorment, mais bon, il va falloir que je les réveille pour les présenter. Ici, on a du coup Azalée, donc qui va être du coup le bébé de Azur et moi. Attends, c'est ça, hein, il me semble, je sais plus. Je crois que oui. Ouais, c'est le deuxième bébé, celui-là. Donc, qui est devenu un joli bébé Hero Fly, comme on peut le voir. Splendide, s'il brille comme ça. Ah oui, je sais pas si j'avais dit que Luna et Sol avaient fait un bébé. Et il s'appelle Star, et il est absolument monstrueux. Je trouve trop cool. Je trouve beaucoup trop cool, ce chaos. Il peut même pas rivaliser avec Pomme et avec d'autres bébés cramés, mais je le trouve incroyable. Ici, on a du coup Allen. Là, on a Sora qui est en train de chill. Ici, on a Pomme qui est toujours aussi. Je sais pas trop. What? Ok. Un peu excité, on va dire. Alors, ça, c'est Citron. C'est le chaos vert que j'avais trouvé au milieu du jardin sans savoir qui étaient les parents. Putain, c'est le bordel. Qu'est-ce qui se passe dans ce jardin? Il y a des gens qui pleurent et des gens qui crient. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a Tonne. On a Tonne qui est du coup le. Il me semble un des enfants de Bonjour et Tigre Loup. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est excité comme ça? Calmez-vous! Qui es-tu, toi, LVS? Pourquoi t'es aussi énervé? Pourquoi tout le monde est aussi énervé? Qui c'est qui pleure? Qui c'est qui chante? What? C'est Sol. Sol considère le suicide. Ok. En même temps, de s'occuper d'autant de bébés, d'autant d'ados, ça doit être compliqué. Qui c'est qui chante, c'est Itit. C'est le premier gosse de Daz et moi. Magnifique, franchement splendide, je le trouve trop beau. Énervé comme ça, c'est Groomy. Groomy qui fait le colère. Là aussi, le colère, c'est Chignot. Oh là, c'est le bordel, c'est le bordel. Il en reste un. Oh, il y en a là-bas qui sont sous la fontaine. C'est d'Azur, c'est le bébé de Daz et Azur. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. À savoir que chacun de ces chaos a déjà gagné une course beginner. La nouvelle gêne, elle est complètement fumée. Au même niveau, il devrait battre les adultes, je pense. Et du coup, du côté des adultes, il y a eu aussi des changements parce que ils sont devenus de grands grands adultes. Et il y en a pas mal qui ont changé. Donc moi, bon, pas grand-chose à changer, hein. Ce qu'on peut voir ici, c'est assez normal. Daz, du coup, Daz, c'est lui le chaos le plus important de ce jardin. Du coup, je l'ai mis à 99 dans toutes les stats. Il m'a carry au karaté. Il me donne plein, 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 plein de rings. On voit qu'il a changé, hein, les cornes dans son. Enfin, les espèces d'épines qu'il a là, elles sont hyper grandes. J'ai acheté un chapeau à Azur. Parce que ses yeux me faisaient flipper. Il faisait peur aux autres chaos. Donc, et en venant, il adore ce chapeau. Il adore ce chapeau. Il l'a toujours sur lui. Donc voilà. Là, on a Tigre Loup qui demande encore de l'affection, comme d'habitude. Adorable. Adorable Tigre Loup. Qui a pas mal changé, hein. Qui a pas mal changé. Bonjour. Bon, il a pas trop changé, Bonjour. Ces espèces de cornes ont poussé. Ses ailes ont grandi. Mais à part ça, pas grand-chose. En même temps, les Dark Fly Fly, ils changent pas beaucoup. Là, on a William. William qui a un petit peu changé aussi. Encore plus des gros bras, j'ai l'impression. Là, on a Gros Homme. Qui, du coup, là, on voit la différence qu'il y a avec William. Là, vraiment, les deux, ils ont vraiment changé. Ils se ressemblent plus beaucoup, je trouve. Qui est-ce qui reste? Il manque, bah, Randé, normalement. Qui est là-haut? Randé qui est là-haut. Randé qui est devenu un putain de lézard. Bah, il a énormément changé, Randé, hein, même au niveau de la forme de sa tête. Bon, bah, bonne nuit. Il n'y a pas eu d'autres bébés. Il n'y a pas eu d'autres bébés. Enfin, si, il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives de reproduction. Mais il n'y a eu pas de bébés. Je pense qu'ils étaient tous fatigués. Et qu'en même temps, ça me va. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de chaos à s'occuper. Donc, j'avais dit que tout le monde devait gagner une Jewel Race. Les 8 chaos devaient gagner une Jewel Race. Bon, Daz, ça va être free as fuck. Parce qu'il est 99 dans toutes les stats. Mais on va voir à quel point c'est facile. Donc, Daz, il est 99 dans toutes les stats. Les autres, ils doivent être, je sais pas, je les ai mis genre vers 40. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais faire la course de Daz. Et les autres courses seront pour l'épisode suivant. J'espère que ça va suffire parce que j'ai pas envie de les réentraîner. Ça a pris énormément de temps. Qu'est-ce qu'il y a, Tigre Loup?
Ah, mais en fait, au lieu de faire gagner une Jewel Race. Parce que Jewel Race, ça va être free as fuck, en fait. En vrai, non, Jewel Race, je vais laisser pour les autres. Daz, il va faire les Challenge Race. Bon, il va leur péter la gueule, hein, mais... La première Challenge Race, c'est Jewel and Moon Kao. Ça devrait être free as fuck, hein. Cette musique. Ah, je vais désactiver les sons pour mettre mes propres musiques. En même temps, bon... Là, c'est pas très hype, donc on peut se permettre de mettre les musiques de base. Vu qu'on est sûr que Daz va les éclater. Ouais, déjà... En plus, il est très intelligent, Daz, donc il va ouvrir la boîte immédiatement. Ah, pas de chance, par contre. En vrai, c'est quoi? C'est mieux. C'est mieux pour Daz. Ça, on va voir à quel point sa suprématie est réelle. Même s'il se prend un piège, il les défonce. Déjà, là, au niveau du fly... Voilà. Oh, il bouffe le mur! Il avale le mur, c'est hallucinant. Normalement, il est censé les annihiler dans toutes les stats. Hein. J'étais pas censé désactiver cette pièce de merde? Le mode marche plus. Bon bah voilà, bah vous voyez l'épreuve alors. Donc voilà, c'est l'épreuve d'intelligence. Donc là, la salle nous demande de ramener un Sonic. Donc les KO ramènent un Sonic. Si jamais ça marche, hop, on nous laisse passer. Si jamais ça marche pas, il y a un homo KO qui tombe sur la gueule, l'espèce de petit robot là. Eh bah heureusement qu'il a pas eu de chance au début. Hein. Ah, ça a plus rien à voir avec les courses que les premiers épisodes. Hein. Là, voilà, tranquillou bilou. What? Quoi? Ok, c'est un mode. J'ai gagné un KO lune et sans ring. Ouais, c'est ça, on dirait genre la texture d'une balle de golf un peu. Mais est-ce qu'il est spécial ou est-ce qu'il a des stats normales? Ok, c'est un KO plus que normal, on va dire. Hein. Ouais, il est même carrément pourri en fait. C'est le pire KO que j'ai eu. Non, peut-être pas le pire en vrai, mais bon. Allez, poubelle. Enfin, non, pas poubelle, mais... Je vais pas m'occuper de toi, bébé, je suis désolé, hein, mais j'ai d'autres choses à faire, là. M'attendez vraiment pas à ça. C'est vraiment un truc de... C'est vraiment un mode, hein, parce que dans le jeu de base, y a pas ça, hein. Ça n'existe pas. Hein. Tu gagnes le Challenge Race, va te faire foutre. Hein. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je vais gagner un œuf dès que je vais réussir une Challenge Race? Daz, gagne la prochaine, il faut que je vérifie un truc. Normalement, on doit affronter Chakron. What the fuck, cette musique... Eh, mais t'es qui, toi? T'es pas Chakron? Il est où, Chakron? T'es qui, toi, avec tes putains d'ailes de ouf, là? La musique est trop cool. Première fois que je l'entends, c'est une musique du mode du coup. Ça c'est le mode qui a rajouté ça. Normalement tu affrontes Chakron. Eh, on est sur Topaz. C'est-à-dire que ça va être surtout du vol et du swim. Bon voilà, donc normalement je vole plus vite que lui. What? 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 Qu'est-ce qu'il fout là? Oh putain, mais il a combien en vol? C'est quoi ce bordel? Daz, tu voles... Non, attends. Oh, what? Il est où? Il est là, what? Oh oui, il s'est cassé la gueule. Let's go, Daz, putain. Oh mais, what? What the fuck? Daz! Axel, il sait pas nager, il sait pas nager. Ok, Daz, tu le fumes. Tu le fumes. Ok, c'était effrayant. C'était effrayant. Putain, il est où, Chakron? T'es qui, toi? Et je gagne un autre KO ou pas? Non, je gagne 200 rings, d'accord. Donc ça, c'est pas non plus dans le jeu de base, ça. Le mode... les modes ont modifié toutes les courses de la... Non. Mais c'est quoi ce bordel? Cette musique-là, c'est quoi? C'est du Sonic Advance, ça, non? Y'a que des bébés? C'était marqué Me First. C'est quoi le principe? C'est je dois les laisser gagner? Genre, faut que je sois 8ème? C'est quoi le bordel? Daz? Ah, d'accord. Donc je dois rester assis, en fait. Ouais, en fait, je leur laisse de l'avance. Ok. Ouais, mais je sais pas si je cours plus vite qu'eux. Ok, je vais essayer du stamina pour les rattraper, pour vérifier. Oui, ok, oui. Je charge largement plus vite qu'eux. Ok, d'accord. Donc ça aussi, c'est une win. C'est vachement plus dur que le jeu de base. Hein. Là, c'est pas normal que Daz galère autant avec 99 dans toutes les stats. Normalement, avec C dans toutes les stats et 99 partout, t'es censé gagner toutes les courses, quasiment. Peut-être la dernière, c'est un peu compliqué si t'as C dans toutes les notes. Il faut peut-être des B ou des A, mais let's go. Ok, la récompense, du coup. You got GBA Tiny, KO Garden Fruit et 300 rings. Ok, j'ai gagné des fruits qui vont faire attirer des animaux et 300 rings. C'est super chelou. C'est trop bien en vrai, je suis hype de ouf. Hein, parce que ça veut dire. C'est quoi ça? Smash B Fast and Boost. Quoi? Tout ça, ce sont des courses qui n'existent pas dans le jeu de base. Hein. Qu'est-ce que c'est cette voix? Ok, il est tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je dois le faire en une minute. Ah, mais d'accord, en fait, faut max de stamina. Je sais même pas c'est quoi la course. What the fuck? Oh non, mais tu te fous de ma gueule, c'est de la masturbation de manette. D'accord, ok, d'accord. En gros, faut... Non, mais tombe pas! Oh putain de merde, ok. Donc en gros, faut que je crame de la stamina tout le temps. Et si je mâche B... Oh putain, ça augmente la stamina.
Oh putain de merde. Ah, ce serait plus facile à mettre GameCube, je pense. Parce que je vais la mettre Xbox, je rappelle. Allez ah 9 secondes, ça va pas suffire. Ça va pas suffire, ça va pas suffire. Ah putain de merde. Ouais, je peux le faire. Je n'augmente. Non, en vrai, je peux le faire. Il est où Daz? What? Daz? C'est quoi ce bordel? Daz, il est où? Pourquoi je peux plus le trouver? T'es pas mort quand même? Ok, donc on a un très gros bug, donc on réessayera ça la prochaine fois. Hein.